trop, il est trop. Qui est-ce? C'est Moïse. Ah, si tu viens à cette heure, c'est que tu as eu la réponse. Oui, je l'ai eu, la vision. Mais j'ai un problème. Ah bon? Lequel? Je sais quoi faire pour cette génération. Ils auront notre tabernacle. Ils prendront Canaan. Les informations seront scellées et secrètes dans la Torah, tenue par les Lévites. Mais dans l'avenir, le temps usera leurs descendants. La connaissance s'effritera. Les Hébreux oublieront. Mais il ne le faut pas. Il faut qu'à tout prix que le savoir-faire sacerdotal, purificateur, ne disparaisse pas. Sinon, les pérégrinations d'Abraham, la sortie d'Égypte, Isaac, Jacob, tout cela n'aura servi à rien. Sacerdotale, purificatrice, dis-tu? Oui, la purification du serment d'Azazel sur le mont Hermon, celle dont tous les humains auront besoin à la fin des temps, afin que s'accomplisse la promesse d'Abraham, toutes les nations seront bénies par son nom. Qu'as-tu déjà fait avec la méthode que je t'ai apprise? Regarde. Cela, je les ai liés entre eux. Très bien, très bien. Laisse-moi 3 jours, reviens, et peut-être que je pourrai apporter mon expérience. Merci, Yétro, merci. Moïse, Moïse, mon père t'attend dans le champ des Téphilim. Il est déjà parti. Rejoins-le vite. Bonjour, bonsoir. Le sujet dont je voulais vous parler est d'une extrême importance. Dans l'histoire de l'humanité, le peuple hébreu est certainement une exception, car il est le seul peuple qui, collectivement, à un moment donné de son histoire, a fait une alliance avec l'invisible. Des individus ont déjà eu des expériences ésotériques intenses dans l'histoire de l'humanité. Mais là, nous parlons de manifestations ésotériques collectives. L'histoire de notre peuple, les Hébreux, a eu beaucoup de revers au travers de l'histoire.
Et à chaque fois, il a fallu que, collectivement, il a fallu que les descendants d'Abraham prennent des décisions pour perpétuer cette alliance avec Hachem. Parfois, collectivement, nous n'avons pas fait aussi le bon choix. Mais d'autres fois, nous avons fait le meilleur des choix possibles et nous avons eu des réussites. Mais aujourd'hui, cela n'a pas d'importance, car en face de nous va se retrouver un défi de taille. Et ce défi devra être relevé par l'humanité. Aussi, je pose la question, quel choix nous, descendants d'Abraham, ferons-nous dans l'avenir? J'ai passé beaucoup de temps à vous observer, à vous écouter, que ce soit sur des supports numériques ou en réel. J'ai échangé avec vous sous une identité cachée. J'ai suivi le cours et les cours de vos raves, vos femmes, vos hommes, vos enfants. Et qu'est-ce que j'ai pu constater? Vos femmes, vos hommes, vos enfants, vos parents âgés, tous, vous vous êtes attachés à Hachem. Au fond de nous, les Hébreux, nous n'acceptons pas et nous refusons toute leçon venant des nations. Car nous savons qu'elles n'ont, elles n'ont fait aucune alliance avec Hachem. Et nous avons raison. On ne négocie pas avec le Créateur de l'univers. Et notre présence aujourd'hui est là pour en témoigner. Donc peu importe les erreurs qui ont été faites dans le passé ou les réussites que nous avons eues, aujourd'hui, nous allons devoir relever un défi de taille. Les peuples doivent comprendre la fonction spirituelle du peuple hébreu. Comment y parviendront-ils? Mais comment peuvent-elles réussir à comprendre là où nous semblons, nous, Hébreux, échouer? Nous, le peuple de l'Alliance. Combien d'entre nous peuvent expliquer notre avidité pour cette terre? C'est une demande du Très-Haut? Oui, mais pourquoi? Que savait Abraham lorsqu'il comprit que cette terre devait rester à sa descendance? En vérité, je vous le dis, lorsque les peuples comprendront la fonction de cette terre et de cette alliance, les nations et les peuples nous laisseront libres d'en déterminer les frontières. Lorsqu'elles comprendront le choix d'Hachem pour les Hébreux, elles nous imposeront de prendre soin du pays de la parure. Dans l'avenir, je donnerai des instructions précises au fils de Seth, par la voix de son scribe, Enoch ben Seth, afin d'expliquer au peuple et de les informer de ce qui a été mis dans l'alliance avec grande dextérité par Moïse. Je lui donnerai aussi toutes les informations pour que les peuples survivent à la catastrophe globale qui se prépare sur Terre et qui a été provoquée par Azazel, celui qui s'est fait chef sur les 200, ceux qui ont fait le serment de l'abomination des 7 planètes et des 12 étoiles, les 12 constellations, et les 5 étoiles de l'orgueil sur le mont Hermon.
Mais pour y arriver, l'humanité et ceux qui le désirent doivent se purifier. Et cette purification doit être organisée avec deux prérogatives. Premièrement, l'attachement à celui qui est demeuré invisible jusqu'à aujourd'hui et qui le demeurera, le créateur de l'univers, Hachem. Et deuxièmement, le respect du choix de chaque être humain, peu importe sa condition de sociale, religieuse, spirituelle, peu importe, tout être humain qui fera un choix, nous devrons respecter ce choix. Aussi, je m'adresse à tous les Hébreux, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas. Rappelez-vous au pied du Sinaï ce que nos ancêtres ont fait. Nos ancêtres ont été le seul peuple de la terre à faire collectivement une alliance avec le Créateur. Ils ont ainsi démarré une tradition ésotérique profonde qui devrait avoir une signification à la fin du XIIe siècle impie. Et nous devons en être fiers et en tirer de l'orgueil. Oui, mais pourquoi? Je vous souhaite tout le bien du monde et je vous dis à très bientôt.